Charbonnages de France a arrêté l'exploitation charbonnière en Lorraine en avril 2004, ce qui a marqué également la fin du charbon en France. Cet arrêt d'activité de l'entreprise, programmé depuis 10 ans, s'accompagne de mesures exceptionnelles qui donnent la priorité à la sécurité, à la prévention et à la protection de l'environnement. Entreprise responsable, Charbonnages de France gère la fin de l'activité charbonnière et l'après-mine avec la même rigueur et le même professionnalisme qu'elle a mis depuis 60 ans au service de la mine, des mineurs et de la région. Entre fer et charbon, il y a des points communs dans l'organisation et les infrastructures. On crée des installations de surface. Depuis ces installations, on fore des puits, on va au fond chercher le minerai ou la houille à des profondeurs variables. Pour le fer, en Lorraine, les gisements, exploités en couches plutôt épaisses, sont situés à 240 mètres maximum. L'exploitation crée donc, près de la surface, d'importants volumes de vide. Pour le charbon, en Lorraine, les couches de houille sont superposées et plus minces. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, l'exploitation s'effectuait proche de la surface à partir de 200 mètres. Dans la dernière décennie, elle s'est faite jusqu'à des profondeurs de 1250 mètres. Pour le fer, c'est la méthode chambres et piliers qui a été principalement utilisée. On découpe des galeries parallèles d'abord, perpendiculaires ensuite, en laissant en place des piliers de minerais en soutènement. Là où il ne faut pas protéger d'installations ou d'habitations de surface, on récupère ensuite tout le minerai en détruisant les piliers. C'est le dépilage. Là où il y a des installations et des habitations de surface à protéger, on laisse les piliers en place. Pour le charbon, dans les zones où elles sont exploitées, les couches de charbon sont entièrement récupérées. Les terrains au-dessus des couches comblent les vides au fur et à mesure de l'exploitation. Pour le fer, là où l'on supprime volontairement les piliers, les terrains de surface s'affaissent. Dans les zones protégées par les piliers, aucun affaissement ne doit théoriquement se produire. Dans la pratique, il peut arriver que des piliers se fragilisent et cèdent en série comme des dominos, créant des affaissements, voire des effondrements en surface. Avec des conséquences d'autant plus graves que ces phénomènes se produisent près de la surface, sous des zones habitées et bâties. Ils sont difficiles à prévoir et peuvent se déclencher plusieurs dizaines d'années après la fin de l'exploitation. Les victimes risquent de ne plus avoir en face d'elles un interlocuteur identifié et responsable, mais de devoir se tourner vers l'État pour obtenir réparation. Pour le charbon, l'affaissement volontaire et organisé des couches et des terrains voisins a des répercussions en surface, limitées par l'éloignement. L'impact sur les terrains de surface peut cependant aller, localement, jusqu'à une mise en pente de bâtiments. L'exploitation ne laissant derrière elle aucun vide, 18 mois après, la situation est définitivement stabilisée. Les dommages occasionnés aux bâtis et aux réseaux de surface sont pris en compte par Charbonnages de France à travers le service des dégâts miniers. Industriel responsable, Charbonnages de France compense,
dédommage et répare ce qui a été endommagé par l'exploitation. La remontée de l'eau dans les terrains miniers n'occasionne aucun défaut en surface. L'exemple de la mine de Folquemont, où l'arrêt des pompages est intervenu en 1989, en est la preuve. L'arrêt des travaux du fond impose d'étudier l'impact de l'arrêt du pompage de l'eau dans la mine, l'exor, et ses conséquences en sous-sol et en surface. Ces études, confiées à un organisme indépendant, ANTEA, ancienne filiale du Bureau de recherche géologique et minière, BRGM, portent sur l'eau du sous-sol, l'eau de surface et sur leurs qualités respectives. Elle s'appuie sur une modélisation des échanges d'eau entre la nappe phréatique, les eaux de la mine, les cours d'eau, les forages d'alimentation en eau potable et industrielle et l'eau de pluie. Cette modélisation tient compte à la fois de la proximité des mines allemandes et des minéralisations naturelles de la nappe. Les eaux de pluie qui tombent sur les Vosges du Nord s'infiltrent et circulent dans le grès vers la plaine d'Alsace d'un côté et surtout vers la vallée de la Sarre et le bassin houiller de l'autre. La nappe n'est pas un lac souterrain, mais est constituée par une masse de grès à travers laquelle circule de l'eau à la manière d'une vaste éponge imbibée d'eau. Cette circulation se fait à un rythme si lent qu'elle met 30 000 ans à venir des Vosges au bassin houiller. Ces eaux passent sous des terrains plus ou moins imperméables entre Sarrebourg et le bassin houiller, se chargent en sel et ressortent naturellement en surface quand les grès sont affleurants. Dans la région, la nappe est aussi alimentée par l'eau de pluie à hauteur de 280 mm par an. Comment se compose le sous-sol ? Au fond, des terrains avec les veines de charbon. Au-dessus, le Permien qui assure l'étanchéité entre la mine et la nappe. Puis, jusqu'en surface, le grès vosgien dans lequel circule la nappe phréatique. Enfin, la nappe alimente directement les cours d'eau et crée, par sa proximité dans les points bas, des zones humides et marécageuses. En surface, la pluie ruisselle, s'infiltre pour partie, ce qui contribue à recharger la nappe. Il y a 150 ans, on a creusé les premiers puits, étanchéifiés par un cuvelage dans la traversée de la nappe et reliés entre eux par de grandes galeries de liaison. Des pompes ont été installées au fond des puits pour évacuer et remonter les eaux de la mine. L'enlèvement complet des couches de charbon entraîne l'affaissement des terrains avec des répercussions jusqu'en surface. L'étanchéité du Permien est fragilisée. Des fissurations apparaissent par lesquelles l'eau de la nappe s'infiltre dans la mine. Elle est repompée en surface et rejetée dans les cours d'eau. Le niveau de la nappe s'est abaissé et celle-ci n'alimente plus localement les cours d'eau qui bénéficient toutefois de l'eau de pluie et de l'eau pompée dans la mine. La baisse du niveau de la nappe a asséché certaines zones humides et marécageuses en surface. Celles-ci, initialement inconstructibles, ont été, du fait de leur assèchement, parfois utilisées par les communes dans la seconde moitié du XXe siècle comme zones d'urbanisation et de développement d'activités. Que se passe-t-il quand on arrête les pompages? On ne rejette plus d'eau dans les cours d'eau. L'eau remonte dans la mine et se charge en minéraux, et notamment en sulfate, au contact des terrains houillés. Elle atteint le niveau du Permien en 3 à 5 ans. Durant cette période transitoire, le débit des cours d'eau baisse l'été car ceux-ci ne sont plus alimentés par les pompages de l'eau dans la mine. Que se passerait-il à l'horizon 2020-2030 si rien n'était fait?
l'eau remonterait dans la mine. La nappe phréatique, ne fuyant plus vers le bas, remonterait pour retrouver son niveau d'antan. Avec une double conséquence, une réapparition des zones humides en surface, une minéralisation de la nappe. Cette réapparition des zones humides pourrait présenter des risques d'inondation légère du bâti dans les zones asséchées par l'exploitation minière ayant fait l'objet d'aménagements. Les fissures dans le Permien permettraient, par différence de pression, des échanges entre les eaux de la nappe et celles de la mine, ce qui occasionnerait localement des remontées, à la base de la nappe, de faibles débits d'eau chargés en minéraux. Cette légère minéralisation de la nappe risquerait, au bout de quelques dizaines d'années, d'influencer localement les forages de prélèvement d'eau et de rendre celle-ci impropre à l'usage domestique et industriel. La solution mise en œuvre évitera partout la minéralisation de la nappe et l'inondation du bâti. Elle est basée sur deux principes complémentaires: le contrôle du niveau d'eau dans la mine, la réalisation de forages de rabattement de la nappe phréatique. Le contrôle du niveau d'eau dans la mine. Ce dispositif permet de contrôler partout le niveau d'eau dans la mine grâce à l'installation de pompes immergées. Il a pour effet de maintenir le sens de circulation et la pression de l'eau de la nappe du haut vers le bas, prévenant ainsi tout risque de remontée de l'eau de mine dans la nappe et empêchant la création de la plupart des zones humides. À la surface, l'eau est d'abord déferrisée par lagunage, puis rejetée dans les cours d'eau. Concrètement, trois dispositifs seront mis en place en France, dans le puits Marie, au siège 1 de la Houve à Creutzwald, au puits Wouters à Frémin-Merlebach, au puits Simon V à Forbach. Les Allemands compléteront ce dispositif par une installation au puits Gustav Schacht. Ils consisteront à maintenir les niveaux d'eau rabattus dans la mine par des pompes immergées. Les forages de rabattement dans la nappe phréatique. En complément, des forages de rabattement empêchent la réapparition de zones humides dans les secteurs bâtis en pompant localement l'eau dans la nappe. Une quinzaine de forages de rabattement seront ainsi réalisés dans les fonds de vallée concernés, la Bistène et ses affluents, la Rosselle et ses affluents. Le gaz de mine, ou grisou, fait partie intégrante du charbon, à hauteur de 2 à 10 mètres cubes par tonne de charbon. Pendant l'exploitation, le grisou s'échappe par les fractures du terrain. Pour diminuer les risques liés à la présence de gaz dans les galeries, celui-ci est partiellement récupéré par des tuyauteries depuis les différents travaux miniers et conduit en surface où il est valorisé en chaufferie ou en centrale thermique. Après l'exploitation, le gaz de mine continue de migrer du charbon vers son environnement. Il faut donc continuer de le capter et de le valoriser. Après l'arrêt des pompages, la remontée de l'eau dans la mine empêche le grisou de s'échapper du charbon. Mais l'eau pousse le gaz résiduel vers le haut, ce qui aboutit à la création de concentrations de grisou dans les points hauts. Ces accumulations de grisou atteignent le Permien, peuvent traverser la nappe phréatique, voire atteindre la surface. Le gaz gagne également la partie supérieure des puits. On met en place un système de captage par exutoire en tête des puits et on réalise des forages de décompression, ce qui garantit la maîtrise et la sécurité des sorties du grisou dans l'atmosphère. Ces dispositifs sont limités dans le temps car quand l'eau est remontée, il n'y a plus de dégazage dans la mine. Charbonnage de France, entreprise responsable, assure une gestion complète de la fin de son activité industrielle et de l'après-mine.